une journée cette semaine. La course de VTT. Ah, c'est la fête à Denis aujourd'hui. Eh ouais, c'est la fête à Denis. On a tous souhaité bonne fête à Denis, là. C'est notre responsable de la raquette de départ. On y va, on dit tous bonne fête Denis. Il n'y a jamais autant de personnes qui ont cette tête à fête, hein, Denis, il n'y a pas de souci. Et vous me l'avez mis tout rouge. Et bah, il va être tout concentré pour la suite des départs. Donc, Denis et toute cette équipe fort sympathique de cette raquette de départ, le maître du temps est concentré. Je sais pas si dans la vie on va peut-être raconter des blagues. Merci également nos motards qui sont là et qui nous font un boulot de rêve. Le départ dans 3 minutes. John Gosport également, qu'on remercie pour leur présence sur ce Rhône d'Azur. Marfonki, Milka, Chamonix Lapierre, Shimano, et oui, on a obligé de remercier nos partenaires. Encore la dernière page. Ja, avec de France 3, Côte d'Azur et Fenêtre Radio. La radio officielle avec Camilo Rana qui est en plein centre de ce village du Rhône d'Azur. Combien de minutes de ce départ? 2 minutes du départ. Voilà. Attention, c'est parti pour le pillage de la Rhône-Alise avec l'ami Robert. On va lui donner le rythme. Vous êtes bien pelé? Ouais. Et alors? C'est pas grave, vous n'êtes pas échauffé du coup? Non? De dingue dans France d'Azur. Ik kan niet anders als de Belgen. Il nous vient des Antilles, champion de la Guadeloupe, je crois, c'est ça? Alors, première fois que vous êtes en région. Les Antillais qui font des. Waar komt je? On peut y aller une fois. En plus, ils sont franchement. Ils sont franchement sympathiques, ils ont la banane. Hey. Voilà. Nederland de partner. Bienvenue au champion Nederlands. Master 2. Alors, qu'est-ce que Vlaams. Non, c'est pas possible. Eh ben si. Eh ben si, ils l'ont fait. C'est très bien. C'est cool, comme ça, samedi prochain, on pourra faire une petite demi-finale. Pays de Galles, c'est pas gagné. Moi, je me suis mis au VTT. Avec les jeunes qui sont derrière et tout. C'est pas mal joué, par contre, Weet je waarom het vrij was? Qu'est-ce que tu veux? S'ils se mettent dans la même forme qu'ils étaient contre les Anglais, ils ont peut-être commencé leur coup. Il y a pas mal de. Ouais. Yeah! Faites un plaisir, mon Rhône d'Azur! Et ne jetez rien par terre, s'il vous plaît. Je compte sur nous pour respecter la nature. On ne jette rien par terre, mon Rhône d'Azur. Et vous nous revenez entiers. On vous attend, on sera là. Tout ça donc inférieur à 3500, vous aurez rendez-vous du côté droit de l'arche. Gauche de l'arche, c'est les lignes représentant l'Europe.
et c'est bien souvent dans les grosses racines, mais des grands râteaux, des bonnes croûtes. On va le décaler vers l'intérieur. On voit donc ce titre de champion des 17-18 ans. C'est un junior de première année. Il a donc encore devant lui de beaux jours pour le club actif. Il s'en est terminé. Nous avons ensuite pour la place suivante le passage du bonheur qui est Ex-Debec. Sofia, viens à les côtés, s'il te plaît. Peter, c'est le tweede. Derde. L'OL aussi est très très grand champion, s'il vous plaît. L'an prochain pour les vacances, Coupe de France, Coupe de France des jeunes bêtises, Coupe du monde 2006, Sébastien Caramas. Il est dans sa dernière année espoir. Les coureurs espoir, ce sont les jeunes, les U23, les Under-23, les moins de 23 ans. Et Sébastien Caramas est champion de Belgique de cette catégorie. Le man qui komt er vlag achter, heb ik gezien, juste. Was maar waar. Dan hoefde ik hier geen 2 uur meer te staan. Double vainqueur du Rock d'Azur chez les 17-18 ans, Sébastien Carabin, qui pour l'instant est toujours sur le podium, avec toujours Christophe Sauzer. Christophe Sauzer qui sert de lièvre, j'ai l'impression, sur Moritz Milatz. Il revient sur Christophe Sauzer, Moritz Milatz, le contact va être fait dans quelques instants dans la zone d'ombre là-bas, on les voit maintenant, ça y est, avec la moto d'info juste derrière, Moritz Milatz est revenu juste sur Christophe Sauzer, récupérer ainsi les performances réalisées sur ce parcours, aura lui aussi suffisamment de réserves, ce coureur. Ça discute, Bah écoute, oui Moritz, si tu veux gagner, bah vas-y, roule un peu. Bah non Christophe, c'est toi le costaud, bah... Christophe Sauzer qui a jailli, Christophe Sauzer qui va peut-être remporter un nouveau Rock d'Azur. Christophe Sauzer pour le sprint final, Moritz Milatz au final, Moritz Milatz, winner. Moritz Milatz. La victoire et Christophe Sauzer.
But today I felt very great again. Yeah, and I can win here, makes me very happy. Sébastien Carabin, meilleur des moins de 23 ans et troisième du classement scratch. Très grande performance pour Sébastien. Un grand jour, Sébastien Carabin, s'il vous plaît. À nouveau les applaudissements. Un sacré podium scratch. Ouais, c'est tout ça. C'est incroyable. Si vous l'avez dit à l'avance, je n'aurais jamais cru. Au bout de la route Sauzère, je passais devant, tirer le peloton. Je me demandais ce qu'il y avait. Puis après avoir la dalle de béton, après la descente, j'ai eu des crampes. Et là, à cause de après la descente, c'est un peu le fracassant. Et puis après, Sauzère m'a fait signe de passer. Et j'ai dit, il n'y a pas pris ce coup pas et il a profité pour attaquer. Et là, j'ai pas su suivre. Et puis après, j'ai fait un fond jusqu'à la veille pour essayer de garder ma tête là, je suis super content, c'est vraiment exceptionnel. Ah, tu disais ce matin au départ, tu disais j'ai des bonnes jambes, on va voir ce que ça donne, j'ai des bonnes jambes. Et bien la tête a suivi, tu t'es accroché, t'as fait la bagarre avec les grands et ça c'est fabuleux. Ouais c'est sûr parce que c'est une longue saison depuis fin février, j'ai eu des moments où j'ai fait des résultats, des moments un peu plus durs. Donc mi-août jusqu'à mi-septembre j'ai eu un petit peu passé à la vie. Puis, ici je suis en forme pour la fin de saison. C'est vraiment super. Un grand moment. Sébastien Carabin, pour qu'il le savoure ce grand moment, je vous demande à nouveau de l'applaudir très très fort. Christophe Sauzère, pardon Philippe. Et on accueille toujours les coureurs Christophe Sauzère. Bravo, Sébastien. Un très grand rock d'Azur encore, Christophe. Très bien, merci beaucoup. Maintenant la plage pour Christophe Sauzère. Avant la cata, fifth place, cinquième position. Avant la cata pour le team. Ah, c'est un bon sprint. Hein. Ici, avec toujours les coureurs Carl Alexandre Moss, Carla Pierre Millet, Violet Stender également. Et puis l'interview avec Romain Thibéry. Peut-être un petit peu en France déjà. Bonjour, Romain. Hein. Et puis comme cela, on va pouvoir partir très vite, tout de suite un groupe d'une dizaine de coureurs devant. Oui, nous avons essayé de rester avant. Just didn't have the legs from the start today. We just realized I got 5% off the whole time. Just not used to that sort of race pace anymore. And managed to hang on for about hour and a half. Où est-ce qu'ils ont été trop forts? Pourquoi? À quel endroit tu n'as pas pu les suivre? So I just rode my own pace from there on and enjoyed the last day of the course. La quatrième pour moi, c'est très bien, merci beaucoup. Andrea Tibéri ici pour le passage. Lucas Flutiger qui en termine également. Carl Platt qui est bien placé. Marc-Aurélien Fontana également parmi les coureurs bien placés. Nous allons arriver sur cette course élite dans quelques instants. Marc-Aurélien Fontana. Champion d'Allemagne, Alexinat, qui pour l'instant c'est plus aux obligations presse. Always bad races here. So et pour les passages really avec la 15e position, s'il vous plaît, les applaudissements pour Maxime Marotte. Maxime Marotte qui reconnaît être en vacances sur occasion ici, là pour voir ses supporters, voir également ses partenaires. Bah ça allait mieux que prévu, je suis rentré à 3h30 du matin donc je suis un peu surpris d'avoir fait 15ème. Champion du monde quand même, le numéro 6 qui est déjà rejoint ici. Yeah, then I left the race. There was nothing more left. And then I did a good recovery yesterday. And today I felt very great again. Congratulations.
Well, I told him it's going to be interesting again in the sprint. I'm not the best sprinter. And probably if I would have won the sprint against him, I would have dropped him already for real before.